Salut à tous, troisième épisode de Dis Tonton Fred. Et aujourd'hui, enfin dans cette vidéo, ça va être de l'arrachage de cheveux en quatre. Donc si vous ne voulez pas avoir un début de calvitie, je vous conseille de mettre vos mains bien plaquées sur la chaise et ne plus y toucher. Donc j'ai abordé dans l'épisode 2 les distributions Linux, enfin le terme de distribution. Et si on va sur DistroWatch, dont vous trouvez le lien dans le descriptif, certaines distributions, c'est Linux, blablabla Linux quelque chose, ou Linux blablabla quelque chose, et d'autres, c'est blablabla GNU Linux. Pourquoi, me direz-vous? Est-ce que c'est juste pour faire joli? Est-ce que c'est juste pour rigoler à mon cou? Non. En gros, il faut remonter, comme pour la précédente vidéo, au début des années 90, quand Linus Torvalds, entre 92, enfin, à partir de 92, quand Linux a commencé à se développer. La FSF, la Free Software Foundation, qui avait ignoré le projet, a commencé à s'y intéresser. Et son grand chef, Richard Matthew Stallman, alias 5 Ignatius, voulait que les distributions basées sur Linux s'appellent distribution GNU Linux, GNU étant l'acronyme récursif, un acronyme étant un sigle de plusieurs lettres qu'on peut prononcer comme un mot, comme la NASA, le CNES par exemple. Pour GNU signifiant GNU is not Unix. GNU n'est pas Unix. GNU. Il disait, comme le Linux utilise les outils GNU, ce serait plus logique d'employer le terme de GNU Linux. Il avait même jusqu'à dit d'employer le terme de Linux, mais devant la bronca, il avait laissé tomber. Donc, ça dépend. On peut employer les deux termes. Moi, j'emploie les deux à volonté. Même si dans les vidéos, je préfère employer le terme de GNU Linux pour éviter de m'attirer les foudres de Richard Matthew Stallman. Parce que le bougre, quand il s'y met, ouille. Voilà. Donc, qu'on parle de distribution Linux ou distribution GNU Linux, dans 99,9%, c'est la même chose. On précise juste que Linux est entouré des outils GNU, développés par la Free Software Foundation pour avoir son propre système d'exploitation libre, auquel il ne manquait que le cœur ou le noyau que Linux est venu combler. Je reviendrai sur le terme de noyau plus tard, dans une vidéo. Donc, vous trouverez souvent sur la toile, ouais, il faut dire des Linux, non, il faut dire Linux. C'est du bullshit. C'est comme le même principe. Pour prendre une image de bagnole, c'est comme si on voyait passer une Ferrari Testarossa. Vous savez, la bagnole pour personne qui se la pète et toute rouge. Il y a personne qui dirait oh une Testarossa et l'autre qui dirait non, il faut dire une Ferrari Testarossa. Alors que ça signifierait la même chose au final. C'est la même bagnole. Sauf que dans un cas, on dit juste que c'est la Testarossa, on parle juste que de la marque, enfin que de la bagnole en elle-même. Et si on parle de Ferrari Testarossa, on rajoute la marque. C'est comme si on disait une Mégane au lieu de dire que c'est une Renault Mégane. Voilà, c'est le même principe. Donc, par exhaustif, si on décide d'être exhaustif, on va employer le terme de distribution GNU Linux pour dire que cette Linux avait des outils GNU autour. Et les personnes qui auront envie de dire on peut dire aussi Linux, c'est pas complètement faux. D'un côté, vous avez les complexes, c'est des personnes qui vont être complètes au niveau de la description, et les autres qui réduisent et qui parlent par image. Voilà. Bah, si vous voyez comprendre, c'était vraiment la vidéo à s'arracher les cheveux en quatre. J'espère que cette minuscule vidéo, complètement non informatique, mais juste un peu capillotractée, vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et au prochain épisode. Bye bye!